cas, je m'appelle Fabrizio Cassol, saxophoniste et compositeur. Voilà, je joue dans le groupe Akamoun. Michel Assis-Georgiou, bassiste. Et Stéphane, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, parce qu'il est en Algérie. Donc notre dernier album, pour répondre à la question, est notre deuxième album studio, qui a une teinte qui est beaucoup plus balkanique, je dirais, donc, parce qu'on a des projets plutôt axés balkans ces derniers temps. Il s'appelle Unison. Donc on se disait de Unison à Octave, on n'est pas si loin. Donc on verra bien comment on va appeler le suivant pour pouvoir revenir la prochaine fois. C'est une grande famille qui est vraiment des centaines de musiciens sur 20 ans. Donc je sais qu'on a passé le millier. Et c'est une toute grande famille qui est ramifiée sur toute cette planète. Et donc, je crois qu'ils seront très heureux de savoir qu'on a eu ce prix. Moi, j'ai une pensée pour eux et pour tous les gens qui nous soutiennent, le management, Aubergine et puis le public. Parce qu'en fait, si on n'avait pas eu cette ferveur et cette continuité depuis 20 ans, on n'aurait tout simplement pas pu construire autant de projets complètement fous. Ça fait depuis le début, on est connecté avec des créateurs de toutes sortes. Et ça a toujours été une chose importante pour nous, c'est de pas seulement être juste nous trois à vouloir faire de la musique, c'est d'avoir une vision, sans prétention, plus universelle. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de temps en temps de placer ce mot-là. RTV, magnifique, vous êtes super sympa, etc. On vous souhaite d'avoir beaucoup d'endurance dans votre métier et de soutenir les artistes comme vous pouvez. Et on vous adore déjà.